Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 24 de Stage 1, et nous allons parler aujourd'hui d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PC, donc qui est sorti en 2001. Donc c'est un assez vieux jeu, vous comprendrez que le graphisme n'était pas top. Regardez l'écran avec les menus déjà, oulala. Donc commencez, on va faire une nouvelle Rien partie dans dans le l'ombre. ciel étoilé ne Donc laissait prévoir que des je vous laisse choses la cinématique. étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto, chevauchée par un véritable géant, perça les ténèbres. Le géant, qui répondait au nom de Hagrid, laissa un petit tas de couvertures devant la porte du 4 Private Drive. Niché au cœur de ce paquet rudimentaire, dormait un bébé. Harry Potter, le survivant. Harry passa les 11 années qui suivirent cette étrange nuit chez son oncle et sa tante, les Dursley. Jusqu'à ce jour, que Harry ne devait jamais oublier, ce jour où il reçut la lettre qui l'invitait à poursuivre ses études au collège Poudlard, école de sorcellerie. Hagrid emmena Harry sur le chemin de traverse afin qu'il y fasse acquisition de fournitures scolaires pour le moins insolites. Chez Gringotts, la banque des sorciers, Hagrid récupéra un étrange paquet dans le coffre numéro 713. Il mentionna à Harry que ce qui se trouvait à l'intérieur, peu importe ce que cela pouvait être d'ailleurs, serait plus en sécurité à Poudlard. Peu après, Harry monta dans le Poudlard Express et regarda s'éloigner la voie 9¾. Il quittait sans regret le monde des moldus. Dumbledore se leva. Cette année, l'accès au couloir du deuxième étage est formellement interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Harry mit le chapeau magique, espérant de toutes ses forces être envoyé à Gryffondor et échapper à Serpentard. Pas à Serpentard, dit le chapeau à son oreille. Tu as d'immenses qualités, je le vois dans ta tête, et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur, non? Très bien, si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... Gryffondor. Au collège Poudlard, école de sorciers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Albus Dumbledore, votre directeur. À Poudlard, Harry, l'aventure peut se trouver derrière chaque porte. Mais avant de te précipiter, laisse-moi te rappeler que certains secrets sont faits pour rester secrets. Tiens, ce matin même, je me suis un peu perdu dans les couloirs et j'ai découvert une salle remplie de choco-grenouilles. Mais quand j'y suis retourné un peu plus tard, je suis tombé sur une horde malveillante de crabes de feu. Et maintenant, grimpe les escaliers et rejoins ta classe. Ne sois pas en retard à ton prochain cours. Donc nous revoici dans le jeu, donc c'est assez bien fait au niveau 3D quand même, pour 2001 c'est plutôt joli, plutôt bien fluide. Au niveau des contrôles, on arrive facilement voilà, à bouger avec la souris, donc ça se joue avec la souris, les flèches hein, tout simplement. Voilà. Et Harry, tu te souviens de moi? Ron Wesley, Fred et George... Donc voilà, on rencontre Ron, pas... Ça ne suit pas trop l'histoire puisqu'on n'a pas eu le train, on n'a pas eu tout ça. Alors il nous dit, voilà, tu te souviens de moi, on s'est vu dans le train. Voilà. Il y a Hermione qui va nous faire le même coup plus tard, normalement. Suis-moi. Et voilà. Donc là, faut le suivre, tout simplement. C'est pas bien compliqué, on peut pas se perdre.
Alors les suit, donc là il nous a dit d'aller voir ses frères. Salut Harry, si tu veux on peut te montrer comment me déplacer dans Poudlard. En tant que première année, tu as beaucoup donc à apprendre. Eux ils vont nous former. Une leçon secrète. Je te retrouve au cours de défense contre les forces du mal. Bonne chance Harry. Voilà, donc on suit les deux frères. Donc alors normalement ils vont nous montrer, voilà. Ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. On va t'apprendre à escalader. Cours vers l'étagère et ne t'arrête pas. Tu vas voir, tu l'escaladeras automatiquement. Au-dessus de l'étagère, tu trouveras une dragée surprise de Bertie Crochu. Récupère toutes les dragées que tu trouves et retrouve-nous dans la pièce voisine. Donc c'est bien, ils font le boulot à ma place. Donc en gros, ils vous expliquent comment on joue. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc on récupère les dragées. C'est... Ah, mon premier dragée. Je pense que... Voilà. Chioup. Les animations sont un peu, des fois, un peu longues. Parce que bon, on voit qu'il s'est répété. Ils sont pas... Vous allez voir, plus tard, il y a des petits bugs sympas. Bien joué. À présent, essaie de sauter. Cours jusqu'au bord, puis appuie sur la touche de saut. Si tu tombes, tu peux regrimper jusqu'ici et recommencer. Retrouve-nous dans la pièce voisine. Nous, on va prendre le raccourci et on te rejoint là-bas. Alors franchement, je sais pas quel raccourci ils prennent. Parce qu'il y a, il y a aucune autre porte. Ah si, il y a une porte là-bas. Ah si, ils passent par la porte en fait. C'est Peeves, l'esprit frappeur. Il cherche toujours à faire des ennuis. Peeves ne supporte pas les premières années. Alors méfie-toi de lui. On va voir si Peeves nous embête. Normalement, il va pas nous embêter. Pas plus que ça. Donc lui, ils font quoi? Ils passent par l'intérieur là? Ben non, y a rien. Ils passent par où? Y a rien, c'est... genre de couloir qui ne sert à rien du tout. Ah, donc on va éviter Peeves. Comment ils ont fait pour arriver dans ce salle? Expliquez-moi, y a aucune autre porte. Voilà, la logique est pas top, mais... Tu trouveras plein de cadeaux extra. Pour les ramasser, il te suffit de marcher dessus. Non, on a attendu une grenouille. Ils te permettent de refaire le plein d'énergie. Et tu peux aussi faire une collection de dragées surprises de Bertie Crochu. Nous aussi, on en fait collection. Il nous faut 25 dragées, Harry. Reviens nous voir quand tu les auras trouvées. Viens nous voir, et on te montrera comment te rendre à ton cours. Ah, des dragées... Ah bah ça alors, il y en a partout les dragées. Okay. Vous avez vu l'animation des... Ah, con. Il a galéré. Hein. Ouais, c'était simple, mais c'est quand même bien fait. Comme j'ai dit, franchement, voilà. On peut pas trop se plaindre pour 2001. C'était un bon jeu. Oh, il y a une grenouille là-haut. Ah, non, il faut qu'on peut passer par là. Donc on va monter là. Et hop. Hop. Oh, une grenouille. Voilà, on a une grenouille. Saute. Récupérer les dragées. Ouais, on en a combien? On en a pas encore assez. On les récupère. Ah, il fallait récupérer de l'autre côté. On a qui? Je dirais qu'il a un bâton dans le cul même quand il saute. Voilà. On va quand même récupérer les trois dragées qu'il y a là. Hop, hop. Et hop. Voilà, on a toujours un petit peu plus. Voilà. Merci, on n'y serait jamais arrivé sans ton aide. On a besoin des dragées pour une expérience. Ouais, c'est ça, une expérience. Tiens, voici une carte de sorcière et sorcier célèbre. Tu l'as bien mérité. Youp, attention, magie. Oh, une carte. Escalade les étagères et passe par la sortie une secrète qui porte se s'ouvre dans le plafond pour aller à ton premier cours d'enchantement. Oh bah ça alors, c'est magique. En même temps, on est dans Harry Potter. Attention. Ah, vive l'animation. J'espère qu'il n'y aura pas ça à chaque carte de sorcier et sorcière célèbre, parce que sinon... Hop là. Aïe. Ah, vous voyez le bug animation. J'ai voulu sauter. Et non, il a quand même grimpé parce qu'il... Pour lui, il y avait le même truc. Hein. Mais regardez qui est là. Oh, vélo, lui. Pas le célèbre Harry Potter.
au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle. Voilà, non plus, normalement, on le rencontre pas comme ça, Drago Malfoy. Hein. Ce sont mes deux amis serpentards, Crabbe et Goyle. Il est bien évident que nous, les serpentards, nous et puis, il se la pète pas autant non plus. Et la coupe de Quidditch. Normalement. Tu ferais mieux de ne pas te mettre en travers de notre pas au début. On va dire, dès le but de la première année, hein. Il essaie de nous serrer la main avant. Il nous envoie pas chier comme une merde en disant oh, on va te niquer ta race. On va te battre. Ouais, vous êtes des merdes. Hermione qui est beaucoup moins jolie que dans le film. Elle ressemble un peu à Ryan Game là sur la vidéo. Bon bah voilà. Donc voilà, ce sera tout pour Harry Potter première année sur PC. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.